Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser euh, plu euh, le plugin euh, Command Clove, euh, y compris lorsque euh, votre site internet ne vous permet pas de lier euh, un de vos dix derniers articles je m'explique euh, comment Louvre, euh, pour ceux qui connaissent donc permet en plus de son lien euh, de commentaires euh, traditionnels euh, qu'on peut poser à droite à gauche sur la plupart des blogs euh, permet de lier donc l'un de ces dix derniers euh, articles qu'on a publié sur son propre euh, blog Or, euh, ben certains euh, n'ont certains que des simples sites, entre guillemets, hein, et donc il n'y a, a pas de flux RSS, auquel cas ils euh, ne ben, peuvent pas mettre un lien vers l'un des dix derniers articles, euh, ou alors la plateforme n'est pas, pas compatible. Et donc, euh, ben en fait, ils perdent cette possibilité d'avoir de, de, un second lien quand ils commentent. Or, il euh, y a une personne très intelligente, si je peux me permettre, qui a, qui a décidé bah, de pouvoir euh, quand même utiliser cette fonctionnalité, y compris avec des sites euh, qui ne le permettaient pas. Et donc il a il a développé euh, une petite application euh, qui, euh, qui s'installe sous Chrome. Alors ça n'existe pas sous sous Firefox ou euh, Internet Explorer, ça n'existe ne, ça que sous Chrome. Et euh, cette extension s'appelle donc Command Loop Cheater. Et donc euh, bah, il vous suffit de faire une, une recherche dans, dans Google. Et, euh, et vous allez voir que... Euh, il va vous proposer donc l'extension euh, sans aucun problème. Donc vous tapez Command Clove Cheater dans, dans Google et vous verrez donc euh, bah, c'est le premier résultat. Il vous suffit de cliquer puis d'installer euh, euh, sous Chrome. Euh, donc, bon, moi je ne vais pas le faire puisque puisque je l'ai déjà donc au niveau installation rien de rien de bien compliqué il vous suffit juste de, de cliquer sur installer moi ce qui m'intéresse aujourd'hui euh, c'est vous montrer comment comment ça fonctionne une fois que c'est installé vous allez avoir dans votre barre de d'adresse de, 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 de votre navigateur chrome ce petit euh, euh, icône qui, qui, qui se sera ajouté et donc là bah, c'est ce qui va vous permettre donc d'utiliser cette application donc pour ce faire, bah, je vais vous montrer euh, bah, comment je pose un commentaire euh, sur le blog de mon ami Stéphane du blog Paranormal Entreprise et qui, euh, qui lui permet donc euh, bah, d'utiliser Command Clove pour avoir un, un lien supplémentaire. Donc en cogeant la case euh, pour lier donc le dernier article. Donc euh, là, il, là il recherche normalement, hein, donc euh, vous le laissez faire jusqu'à ce qu'il affiche quelque chose ou une erreur. Donc là vous voyez ici que il me met un message un message d'erreur. Euh, bon c'est normal puisque j'ai pris, euh, pris une fiche, une fiche d'annuaire comme lien de commentaire. Et euh, bah, pour vous montrer comment ça marche, je vais prendre une autre fiche euh, une autre fiche d'annuaire. On ne va pas se compliquer la vie. Euh, donc voilà. Donc moi je, je fais je copie euh, donc, mon URL. Donc on retourne sur sur le commentaire. Bon, je vous passe. Euh, hein, j'ai déjà écrit le commentaire. La, 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 le lien, le premier lien. Ah, j'ai juste oublié l'adresse de l'adresse mail. Donc ça, je vous laisse euh, je vous laisse euh, voir. Hein, vous avez l'habitude. Et donc là, après, on clique sur le fameux bouton euh, comment euh, louve votre cheater. On met l'URL désirée. Ensuite l'encre euh, désirée euh, donc je me souviens plus ce que je voulais mettre. Ah, oui, voilà donc on va faire comme ça. Optimiser donc son référencement. Bon, je ne me, me complique pas la vie, je remets le même titre. Voilà. Juste on mettre un accent ici. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. Donc vous appuyez sur OK et on peut, ensuite vous n'avez plus que valider votre commentaire. Et le tour est joué. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.